crois que je suis amoureux. Bah va la voir. Non, elle est avec sa copine là. Et alors? C'est pas n'importe quelle copine. C'est la copine complexée, mal dans sa peau, ça se voit comment elle parle au serveur. Excusez-moi là, c'est pas un pur jus d'ananas que vous nous avez filé là. Attends, et c'est bourré de sucre là, je sais pas combien il y a morceaux de sucre. Sa copine est magnifique, ça doit être un modèle pour elle. Elle doit enchaîner les conquêtes alors qu'elle doit enchaîner les râteaux. Si je vais la voir, elle va tout gâcher. Salut. Salut. Non merci, on n'a pas besoin de mec. Et tu trouves pas que ça sent bizarre? Ah si, ça sent le crevard là. Et Nex, dégage. Ah ouais, c'est mort. Il reste encore une solution. Laquelle? Le coup franc indirect. Donc la technique, j'attaque la copine complexée, elle ouvre les cages et je m'occupe de sa copine magnifique. Et là, but. Si tu mettais tout ton génie dans la science plutôt que dans les meufs, tu serais millionnaire. Laisse pour faire. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais t'inviter à boire un verre. Ah bon? Moi? Pas elle. Désolé, excuse-moi, je t'avais pas vu, mais tu peux rester si tu veux, y'a pas de soucis. Ouais, pourquoi pas. Cool. Et tu fais quoi dans la vie? Moi je travaille dans le médical. Mais sinon aussi j'ai fait du social avant. Ah, c'est bon, j'ai compris. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Moi je suis mannequin. Je travaille beaucoup entre Paris et Londres. Oh, génial, putain, j'adore Londres en plus. Moi aussi j'adore Londres. Quand j'y suis allée, il y avait pas d'eau à l'hôtel, alors j'ai pas pu me laver pendant une semaine. Mais bon, en même temps, j'ai l'habitude, tu vois, parce que moi j'habite au 6e étage et il y a qu'un seul cumulus, tu vois, pour Oh putain, ferme-la, tais-toi s'il te plaît, ferme-la, j'en peux plus. J'égorge plus les chats, donc ça va. Dieu existe, qu'il frappe. Maintenant, frappe, s'il te plaît. Maintenant. Putain, merde. T'en fais pas, viens avec moi, ils ont des serviettes au bar. Alors, on en était où? Alors, excuse-moi juste avant qu'ils reviennent, je voulais juste te demander le numéro ou le snap de ton pote parce que je le trouve super mignon. Il est trop mignon le mec là, avec la petite veste bleue. Bah, va lui parler. Mais t'es malade, ça va pas, attends. Après, il va me prendre pour une fille facile. Allez, tu sais ce qu'on va faire? Coup franc indirect. Quoi? Bon, je t'explique. Tu vois son pote à côté. Il a toutes les caractéristiques du mec ringard qui va absolument niquer tout ce qu'il veut, tu vois. Bon, je suis sûre dans deux minutes, il va venir nous parler. Bon. On va rentrer dans son jeu. Je trouverai le moyen de vous laisser tous les deux. Putain, merde! Et je t'enverrai un signal. Les caches seront libres et tu pourras lui demander le numéro de son pote. Pute! D'ailleurs, tu lui donneras le mien aussi. Merci, c'est gentil. Alors? Qu'est-ce que c'est? Ma dignité.